la meuf insupportable, si tu viens te débarquer sur ma chaîne et que t'entends un boum, tu vas te désabonner tout de suite ou tu vas pas t'abonner. Bref, bonjour à vous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Vidéo dans laquelle j'ai mis ma plus belle fausse frange. Vidéo dans laquelle je vais te parler de chouchou action. Parce que des fois, je vous fais des vidéos spéciales produits terminés, spéciales action. Mais des fois, il y a des petites perlouses qui sortent un petit peu du lot. Et ça vaut le coup de t'en faire une vidéo spéciale. Je t'ai fait aussi une vidéo flop de chez Action. Mais là, on va s'attarder sur top de chez Action. Et on commence cette vidéo tout de suite. Alors, c'est parti. Il n'y aura pas 40 000 trucs, mais bon, hein, il faut mieux que pas 40 000 trucs, mais 10 bons trucs. Le premier produit que je vais te proposer, c'est ce produit-là que j'ai trouvé grâce à Cat Size. Tu vois, ce par là, je te fais des gros bisous. En fait, grosso modo, c'est un gel. C'est un gel hydratant, on va dire, grosso modo. Mais j'en ai plus. Faut que j'en rachète. Ça va te donner un aspect frais, mais frais, Mireille. Alors, te mets pas ça sur les parties intimes, te mets pas ça sur les tétons, parce que là, c'est hyper frais. Et en fait, t'as l'impression... Voilà. Je sais pas si t'entends. Ça fait des petites bulles. Mais c'est un truc de fou malade. Alors ça, quand t'as un coup de soleil, mais un bon coup, t'entends? Tu peux faire de l'ASMR. Je pense que t'entends, tu vois, ça a sacré. Je te fais de l'ASMR. Ça crispise et franchement, c'est super agréable et c'est super rigolo à mettre sur le corps. Surtout en été, mais franchement, ce produit-là, je kiffe de ouf. Je kiffe de ouf. J'en ai encore un peu. Donc, à l'occasion, je rachèterai. Par contre, je te le dis, je te le répète, c'est vraiment très, très, très frais. Alors, le côté frais ne reste pas vitam aeternam, tu vois. Ça te fait une bonne couche de fraîcheur pendant une petite minute, j'ai envie de te dire, mais ça fait du bien là où ça passe. Hein. Une chute libre de une minute, hein. Ça pique un peu. Mais voilà, ce produit-là, alors fais attention parce qu'il y en a deux, je crois qu'il y a un violet et puis il y en a un autre, mais c'est pas exactement la même chose. T'as pas besoin de te rincer après, c'est pas du tout un truc pour te laver, hein. C'est un truc juste hydratant. Niveau hydratation, c'est pas un truc de fou malade mental, mais pour le côté un petit peu rigolo et crépitant et frais, bah, je recommande, voilà, carrément. Et merci Cat Size de m'avoir fait découvrir ce petit produit. Ensuite, Mireille, toi qui fais le ménage chez toi, je te conseille d'acheter, sur les conseils de Laurette, je te conseille grave d'acheter... Alors, attends, je vais essayer de m'en sortir, voilà. Elle est vendue comme ça au magasin. Alors, bien sûr, elle est beaucoup plus jolie que ça. Mais c'est une éponge microfibre et franchement, elle est top. Elle est nickel chrome. Alors, moi, j'utilise principalement dans ma salle de bain pour nettoyer alors soit les rebords de lavabo, soit les rebords... Bah, toute la salle de bain, on va dire, sauf par terre. Mais franchement, elle est top, elle est top, elle est top. Tu peux la laver. Alors moi, personnellement, j'ai déjà passé une fois en machine à un petit cycle à 30 degrés, tu vois, pas grand-chose. Mais franchement, elle est nickel chrome. Donc cette éponge-là, Spargal, je la recommande à 2000% parce que franchement, elle est nickel chrome. En plus, ce qui est bien, c'est qu'elle est grande. Donc tu peux vraiment astiquer, nettoyer partout comme il faut. Voilà. Un autre produit que je te conseille, mais grandement, c'est ceci. C'est un masque peel-off. Alors, sauf si t'aimes pas les peel-off, mais c'est le peel-off qui m'a réconcilié avec tous les peel-off. Pour information, peel-off, c'est quand tu laisses ton masque, je dirais, il faut à peu près une vingtaine de minutes. Tu vois, tu le mets bien. C'est un peu comme du miel, comme si t'avais étalé du miel. Et ensuite, tu laisses bien sécher. Une fois que tu touches comme ça et que tout est sec, tu l'enlèves comme ça. Comme une peau de serpent qui mue, tu vois. Et ce masque-là, comme je te dis, ça m'a réconcilié avec les peel-off. Il est nickel chrome. Il est nickel chrome. Alors, il est à l'extrait de chanvre, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Et franchement, il est nickel. Voilà, je le kiffe de ouf et je le recommande à 200 000%. Le seul petit bémol, c'est qu'il n'y en a pas beaucoup à l'intérieur. Donc, si t'as pas une grosse tête, si t'as une grosse tête, prends-en deux. Si t'as une petite tête, prends-en qu'un. Mais moi, avec ma grosse tête, j'ai eu un petit peu de peine d'en étaler partout. Mais franchement... Meuf qui s'est mis parler. Mais je te le recommande vivement. Un autre truc que je te recommande, c'est ceci. Ça se présente comme ça. Je pense que tu les connais par cœur. Parce qu'avant, si je dis pas de bêtises, je crois qu'elles étaient roses. Ou alors c'est une autre gamme. Enfin, je sais pas exactement. Mais c'est ceci. Ce sont des lingettes. Enfin, des serviettes, on va dire. On dirait une couche. On dirait une serviette hygiénique. Bientôt les serviettes hygiéniques, Action, ou c'est comment? Mais ça, en fait, c'est... quelque chose que tu vas utiliser pour te démaquiller. Alors moi, je n'utilise pas pour me démaquiller parce que honnêtement,
Chez moi, ça ne fonctionne pas. Pour une fois, alors, ça peut être pas mal. En fait, ce que tu fais, c'est que tu la mouilles, ou alors tu mets du lait démaquillant, mais tu la mouilles, et puis tu te démaquilles comme ça. Je sais que Nani les utilise comme ça pour se démaquiller, et qu'elle les trouve super, mais en fait, moi, ce que je kiffe avec ces serviettes-là, c'est que c'est pour les masques, en fait, pas les peel-off, bien sûr, parce que les peel-off, c'est compliqué, mais pour les masques, n'importe quel autre masque, c'est tu mouilles, tu enlèves, tu prends l'autre côté, et t'enlèves ton masque, ensuite tu peins sous l'eau une dernière fois, tu fais ça, et ça y est, ton masque il est nickel. Plutôt que de passer 3 heures sous la douche comme ça pour essayer d'enlever ton masque et te foutre, t'es comme moi, je suis sûre que t'es comme moi, quand t'as ton lavabo, tu te fous de l'eau partout, ça tombe par terre, c'est une horreur. Donc voilà, cette serviette là, je te recommande à 200 000%, alors soit pour te faire une serviette hygiénique d'appoint, si j'ai bien accouché, ou soit pour te faire une petite serviette pour t'enlever ton masque. Et je te dis, Nani les utilise aussi en serviette démaquillante, elles sont nickel chrome. Ensuite, un autre truc que je te recommande à 200 000%, mais vas-y fonce, c'est vendu dans un petit sachet comme ça, donc ça c'est nickel parce que t'as ton petit sachet, c'est des petits cotons. Je crois que t'en as 12 ou 10, mais franchement, ces petits... Ah, je fais tout tomber! Ces petits cotons-là, ils sont nickel chrome. Alors ça, c'est juste pour démaquiller. Alors bien sûr, tu peux utiliser pour démaquiller tout le visage, mais moi, pour tout le visage, je préfère utiliser des plus grandes lingettes comme ceci, les petites lingettes de Babinou, hein? Alors, je fais une petite parenthèse pour Babinou. Elle est où, Babinou? Voilà, Babinou qui fait les petites lingettes comme ça, en mode Harry Potter. Donc ça, c'est nickel pour vraiment enlever toute la zone, tu vois. Mais pour les yeux, les petites lingettes comme ça, en plus, elles sont toutes douces. Je les ai lavées 3-4 fois déjà et elles restent toujours douces. Donc voilà, je te recommande à 200 000% ces petites lingettes-là, démaquillantes, parce que franchement, elles sont nickel. Elles sont aussi très très bien pour... Alors, soit pour te démaquiller les yeux, même si pour les yeux, ce qui est un peu relou, c'est... Vu qu'elles sont épaisses, c'est quand tu arrives à en dessous, là, c'est un peu compliqué, mais ça va encore. Mais elles sont bien aussi pour te passer une petite lotion, un petit tonique, tout ce que tu veux. Donc franchement, en plus, il y a le petit sachet. Donc vas-y, fonce, en avant, gagnant. Et utilise bien le sachet comme ça pour mettre dans ta machine, sinon tu vas exploser ta machine. Parce que les lingettes, elles vont aller sous le tambour. Sous le tambour, on adore. Un autre produit que j'aurais à te conseiller, même si, attention, alerte, spoiler, tout ce que tu veux, je pense que c'est niveau composition, je pense que c'est de la bonne daube, ok? Mais on n'est pas là pour parler composition Yuka, tout ce que tu veux, Insi Beauty. On est là juste pour te dire les trucs qui fonctionnent bien chez moi. Alors ceci en fait ce sont des chaussettes, les chaussettes de l'artisette, ce sont des chaussettes que tu vas mettre sur les pieds, que tu vas laisser agir 2 heures je crois, si je dis pas de bêtises, je me souviens plus, mais je crois que tu laisses agir au minimum 2 heures, ok, et ensuite tu vas rincer ça, et après environ une semaine tu vas voir que ta peau de tes pieds morte part en lambeaux. Alors oui, c'est pour ça que je te dis Mireille, je pense que niveau compo, parce qu'un truc qui t'enlève la peau morte en bout d'une semaine, je pense que c'est un peu compliqué quand même, hein. Mais il fonctionne super bien, il fonctionne super bien, parce qu'on, par contre, les laisse bien agir le minimum, le maximum du minimum qu'il faut, parce que si tu laisses agir genre 1 heure à la place de 2, la peau va partir, mais elle va pas partir d'un coup, donc du coup tu vas avoir une période avec de la bonne peau ou de la mauvaise peau, et si tu vois que ta peau morte ne part pas bien, fais des bains de pieds chauds, comme ça va permettre que tout soit mou et que tout parte en même temps, parce que moi, la première fois que j'ai utilisé, c'était nickel, tout est parti en un seul bloc, mais la deuxième fois, j'ai pas laissé agir assez longtemps, et donc du coup, j'avais les pieds... Tu vois, la période de transition entre le moment où toute la peau va partir, où la peau n'est pas encore partie, bah, j'avais les pieds un peu dégueulasses, tu vois, tourneux et tout. Donc du coup, j'ai dû faire bain de pied. Donc voilà, laisse bien agir le temps qu'il faut. Mais ce produit-là, voilà, je te les conseille à 200 000%. Bien sûr, regarde la composition avant, la composition qui doit être pourrie. Je te l'ai mis juste là, tu vois. Mais franchement, niveau efficacité, nickel. Nickel chrome, allez, mes petits pieds te disent merci. Merci. Et voilà, là. Je t'ai dit les tops que j'adorais ces actions, mais n'hésite pas à aller voir cette vidéo là où je te dis les flops et tu dis que je déteste chez Action. J'adore Action, mais des fois il y a des tops, des fois il y a des flops. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner en cliquant juste là sur le petit canard. Je te fais plein de gros bisous et je vous dis à très 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 bientôt, un très 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 bientôt dans une prochaine vie. Yeah. Ah.